Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On est sur une miniature. On va essayer de faire un G sans retrait PA. Exo pour 100 dommages sort pour un Roxer. Donc là, le PA vient de tomber. On a 95 depuis. On va commencer par la J. Aïe, moins 40. Ça picote un peu, j'avouerai. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 7 restants? Alors, je pourrais les mettre dans le retrait PA, mais si je fais ça, je vais les perdre. Alors que si je les mets dans, par exemple, de l'esquive PA. Voilà, si c'était passé, j'aurais pu récupérer le puits derrière, donc ça aurait été un peu mieux. Je pourrais spam les pavis éventuellement, mais. Allez, je vais test. C'est pas. Disons que ça, je peux avoir beaucoup, beaucoup de tentats avant d'avoir un succès. Mais ça m'amène à 348 en fait, et. Voilà. J'en ai eu combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 27, ouais, ça pique un peu. Bon, voilà, j'ai un truc à peu près honnête. La Padoue qui crit, évidemment. Et le dos perso. Passe pas, je vais en tenter une autre, même si j'ai pas assez de puits, mais si ça crit. Tant pis. 97 de puits. Alors, on a les dommages à 19. Mais. On va pouvoir faire un truc stylé quand même. On va commencer par le dommage R parce que c'est ce qui me fait le plus peur. Ok. Ouf. Ça aurait pu être beaucoup plus problématique que ça. On va faire l'overagie aussi. Moins 20. On va aller chercher le perf. Quoique. On va voir si la théorie marche. Faudrait que je balance 4 runes pavie et 4 runes pot derrière. On va tester en vrai. Ah mais non, parce que si je fais ça, ça va me faire un truc dégueulasse. Ah oui, parce qu'en fait, je vais pas pouvoir monter après, les pavis vont plus passer. Tant pis, on va devoir se contenter d'un truc à peu près approximatif en Vita. Depuis, on aura deux tentats. Ouais. Ça passe pas. 87 depuis ici avec une rune PA qui est. Enfin, retrait PA qui est passé un petit peu rapidement, tant pis. J'ai 39 sagesse, ça m'embête un peu. En revanche, je vais avoir le perf sur le reste. Moins 12. Moins 30. 45 restants. Ok, ça fait 3 fois 15, c'est nickel. Bon, j'ai deux tentats de perso. Ok, on en a une, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 85 depuis. Alors il va falloir un over agi, pas trop le choix. Ah, ça coûte du puits malheureusement. Moins 40, bon on vient de perdre un peu le tout espoir là-dessus. Je peux tenter. Je vais aller chercher le perf, je pense. Il me reste combien? 45? Ouais, non, ce serait du grid. Non, aucun intérêt en fait. J'ai plus assez. Moins 10. Moins 15. Il me reste 20. C'est compliqué ça. Je mettrai peut-être une rune trans, mais uniquement si j'ai un G full perf. Sur un 346 Vita, ça m'intéresse pas spécialement. Alors, j'étais en train de dire si seulement on pouvait avoir un puits PA maintenant pour avoir un G perf, et j'ai été exaucé. Alors, on va commencer par le dos R. Ou non, peut-être par l'over AG plutôt. Qui passe.
Imagine pas faux. Maintenant tout se joue sur le 2R. J'ai moins 2. 3. Moins 15. Ça va, hein. 63 depuis, c'est magnifique. On a 4 tentas. Très très beau le perf comme ça. Hein. Allez, 1. Oh, on a eu un crit. J'en ai encore une. On a du perf 1%. Bon, c'est joli ce qu'on a le PA. On n'a pas le PA. 82 depuis. Bon, on n'aura pas le perf sagesse malheureusement. Allez. Moins 6. Moins 10. Moins 10. Bon, c'est correct. 53 depuis. J'ai deux tentes à sagesse que je peux espérer avoir en crit. Ça se tentait. Et j'ai trois tentas là-dessus. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Mais écoutez, bon, le G n'est pas incroyable, hein, on peut avoir mieux. Déjà, en faisant un G perf avec transcendance, on a déjà mieux que ça. Mais là, je cherche pas à aller chercher des G énormes, je voudrais juste un stuff à peu près potable pour pouvoir faire du Coliseum. Et après, je verrai si je fais le choix d'aller chercher des plus gros G ou pas en refaisant des sessions FM. Donc je vais rester là-dessus, voilà, je cherche pas à avoir un truc incroyable, juste que ce soit jouable. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.